Nous avons, la dernière fois, continué l'enseignement sur, vous voyez, c'est toujours sur la sortie des prisons sataniques. Et là, la dernière fois, nous avons eu pour sous-thème, jus de bénédiction de l'Alliance. Donc, maintenant, je donne un autre sous-thème. C'est vrai que là, nous parlons de toujours la gestion des bénédictions de l'Alliance, mais le sous-thème de ce soir, c'est le code d'accès. Le code d'accès à la richesse. Le code d'accès à la richesse. D'accord, les codes qui nous permettent d'avoir accès à la richesse. Bien, je veux juste rappeler que nous avons vu, de par les Écritures, que la richesse appartient effectivement à Dieu, que Dieu est le propriétaire de ce monde. Il a créé toutes choses par sa parole puissante et il tient toutes choses par elle. Donc la richesse, d'accord, appartient à Dieu. La richesse appartient à Dieu. D'accord? L'or et l'argent, dit Agé, appartiennent à l'Éternel. Dis à ton voisin, la richesse appartient à mon Père. Ah, oui, bien, c'est vrai. Somme 24, verset 1, le monde et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. Cependant, si on veut être sincère, si on veut être franc, il y a quand même lieu de remarquer que les personnes qui prétendent et même qui adorent Dieu ne sont pas toujours celles qui ont entre leurs mains les possessions qui appartiennent à Dieu. Il y a comme une forme d'anormalité, d'accord, dans ce constat, parce que les richesses appartiennent à Dieu. Et donc, si nous sommes ses enfants, logiquement, d'accord, nous devons jouir des trésors de Dieu parce que les richesses appartiennent à Dieu. Et plus loin encore, nous avons vu que nous sommes devenus des fils d'Abraham par la foi, et donc, du coup, notre vie est soutenue par une alliance. D'accord, c'est juste pour vous rappeler ce qu'on a vu. Notre vie est soutenue par une alliance. Et Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse penser que la bénédiction appartient soit aux blancs, soit aux jaunes, soit aux etc. Non, 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 pas du tout. La Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'est ce que nous avons vu. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu sont enfants de Dieu et n'arrivent pas à jouir justement de l'héritage qui est le leur, puisqu'on a vu dans Galates 3, verset 29, que si nous sommes devenus des fils, nous sommes aussi héritiers. Donc, on héritier en héritage. Que quelqu'un dise, j'ai un héritage. Que quelqu'un dise encore, j'ai un héritage. Dis encore une troisième fois, j'ai un héritage. Très bien. Alors, je voudrais te dire que l'enseignement que je te donne est une parfaite et profonde révélation de Dieu qui m'a permis moi-même de sortir de là où j'étais et d'expérimenter ce que je vis. Donc, ce n'est justement pas quelque chose d'imaginaire ou quelque chose d'écouté quelque part que j'essaie de reproduire. C'est quelque chose que j'ai mis en pratique et je vois marcher encore jusqu'à présent aujourd'hui. Et je te garantis qu'après ce message, si tu le mets en pratique, tu ne verras plus le mot pauvreté que dans le dictionnaire ou allons ailleurs. Sérieusement, je te garantis, le mot manque n'existera plus dans ta vie. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Ton amène m'embête. Je dis, tu ne manqueras plus jamais de rien. Dieu te donnera de jouir de tous les trésors qui te sont réservés sur cette terre au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Mais j'ai expliqué quelque chose sur lequel je voudrais continuer. La dernière fois, je vous ai parlé des richesses. Et comment est-ce que, voyez-vous, venez, d'accord, on a des richesses. Voyez-vous, j'ai parlé de des richesses. Que quand Dieu parle des richesses, d'accord, lui, Dieu, il ne regarde pas le papier, c'est pas le billet de banque, d'accord. Et toutes les fois qu'il a dit qu'un homme était riche, ça juste pour rappel, d'accord, vous pouvez l'avoir sur CD ou lancement la semaine passée au DVD, d'accord, il parle, d'accord, de l'or, de l'argent. L'argent, c'est pas le papier, l'argent, c'est le métal. Il parle de plantation, il parle de brebis, il parle de chameaux, il parle de serviteurs, en fait, toute la cohorte de personnes qui est à notre service. Parce que le serviteur était là pour produire, justement, cette richesse. Donc, il parle, et c'est ainsi que quand il parle de la richesse d'Abraham, il ne parle pas en termes d'argent dans la banque. D'accord? Il parle des propriétés qu'Abraham possède. Bon, maintenant, j'ai dit ceci. Il faut comprendre qu'au temps d'Abraham, d'accord, le diamant n'était pas considéré par ceux d'Abraham comme une richesse. Parce qu'il n'y avait pas de commerce de diamants. Le pétrole n'était pas considéré comme une richesse parce qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Donc, c'est quand la technologie a évolué que les gens se sont rendus compte que le pétrole, justement, était une grande richesse. Imaginez quelqu'un qui est dans sa cour et puis qui trouve une nappe noire qui est en train de couler. Il peut même changer de propriété parce qu'il va avoir l'impression que cette terre n'est pas bonne. Il va la laisser. À cette époque-là, il laissera une richesse
parce qu'elle n'a pas encore été découverte et voyez, quantifiée comme richesse, il la laissera. Donc les enfants d'Abraham pouvaient jouer avec et tomber sur une grosse pépite de diamant, mais là j'étais dans la poubelle parce que ça pouvait blesser un enfant. Ce n'était pas appelé richesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant les choses ont évolué. D'accord? Et il est arrivé donc maintenant que certains d'entre vous pouvaient avoir dans votre maison, à l'eau où je parle, dans une plantation, des herbes que vous taillez tout le temps. Mais qui est en fait le médicament du sida qui n'a pas encore été découvert? Et la découverte de ce médicament dans cette herbe peut vous rendre multimilliardaire en un jour. Mais aussi longtemps que ce n'est pas découvert, vous allez le couper comme étant une mauvaise herbe. Mais alors que c'est une richesse. D'accord? Et donc, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et j'ai dit donc, la dernière fois pour les transactions, pour les trocs, quand lui il avait sa banane et que lui il avait son riz, etc. Donc l'argent, au départ ils échangeaient. C'est-à-dire, je te donne mon riz et tu me donnes ta banane. Sauf qu'avec le développement, etc., les gens se sont rendus compte que cette forme de troc peut être nocive pour eux. Pendant le temps d'arriver avec la banane, elle peut avoir pourri en route. Donc il faut trouver un moyen qui permette d'évacuer et d'échanger les marchandises sans, ouais, d'accord, sans subir tout ça. Donc au départ, il y avait des pièces de métaux avec lesquelles on échangeait, des grosses plaquettes, etc., pour échanger les... Bon, ça c'était appelé la richesse. D'accord? Donc l'argent a été un moyen d'échange, simplement. N'était pas et n'est pas la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. La preuve, si je prends un billet de banque et que je décide de le déchirer, je le déchire. Je le bois. Ce n'est pas ça la richesse. Mais quand j'ai ça entre mes mains, je peux avoir accès à ça. D'accord? Je ne mange pas ça. Mais ça peut me donner la possibilité de manger. Donc aussi longtemps que je lui donne, je peux jouir de ça. Donc en fait, celui qui a la richesse, ce n'est pas celui simplement qui a le papier, mais c'est d'abord celui qui a. Est-ce que quelqu'un comprend entre mes mains? Parce que, ce que je dis, parce que demain, on peut dévaluer ça. On peut décider que ça, ça n'a plus de valeur. Mais la banane, tu n'as qu'à dire que ça n'a plus de valeur. Les mangeurs des locaux vont reconnaître leur valeur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, c'est très important. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très bien. Donc, maintenant aussi, comme le temps a évolué, les personnes qui se sont mises au milieu pour pouvoir prendre ça et le garder et revendre aux gens en échange de l'argent, ont commencé par cette transaction à se faire de l'argent sur le dos de ceux qui le produisent. Parce que lui, il peut me le vendre à 10 000 et moi, je le revends à 50 000. Je me fais de l'argent sur son dos. Parce que moi, j'apporte le service. Donc maintenant, les fournisseurs de services ont commencé à avoir plus d'argent que les producteurs de richesses. Ce qui est en fait une forme d'anormalité. C'est ainsi qu'on paye un kilo de cacao à Abidjan à 350 francs et on vend un gramme de cacao transformé en café à Paris à 1,50 euros, c'est-à-dire 1 000 francs, ou souvent même 2 000, selon l'endroit où on se trouve. D'accord? Très bien. Donc ceux qui fournissent ces services, ou alors qui ont eu l'ingéniosité de transformer, d'accord, ce que nous avions et de les empaqueter de la sorte, ont commencé à faire plus d'argent que ceux qui ont produit. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est que, afin que tout le monde comprenne, maintenant vous pouvez partir avec vos richesses. Comment donc fonctionne l'acquisition, là, vous voyez, des richesses? Comment on y parvient? Comment on parvient à avoir donc la richesse? C'est très important. Et donc, depuis, vous savez, Matthieu 6, verset 33-34, disons d'abord, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? Cherchez premièrement le royaume. Vous savez donc, les besoins de l'homme en nutrition, en vêtir, se loger sont toujours jusqu'à aujourd'hui une énorme préoccupation. Donc, mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas trouvé que c'était anormal, d'accord, que l'homme soit vêtu, que l'homme mange, que l'homme dorme. Il n'a pas dit que c'était anormal. Mais là, il fait une déclaration très forte. Il dit, écoutez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. Quand vous lisez les versets qui précèdent, vous vous rendez compte que les choses en question étaient la nourriture, étaient le vêtement,
Et on peut ajouter le logement. D'accord? C'était de ces choses. Et il dit, au verset, je crois, 24, d'accord? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, il ne faut pas vous inquiéter. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut pourvoir aux besoins de toutes les personnes qui, justement, sont ses enfants. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume. Et là, justice de Dieu, alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Maintenant, comprenez-moi attentivement. Comprenez-moi bien. Je veux que vous remarquiez ce qui est écrit au verset 24 de Matthieu 6. Affichez le verset. 24. Je veux vraiment que tout le monde comprenne. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Qu'est-ce qui est écrit? Nul ne peut servir deux. On peut lire une dernière fois? Nul ne peut servir deux. On dit, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Et tout de suite, Jésus présente les deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce qu'il est en train de présenter? Il est en train d'introduire le fait que sur la richesse, il y a deux maîtres. Donc, soit je suis attaché à Dieu et Dieu s'occupe de moi, soit je suis attaché à Mammon et j'obtiens les richesses par les voies de Mammon. D'accord? Et maintenant, il dit, attention, vous qui êtes enfants de Dieu, ne soyez pas comme les païens. Mangez. Vous vêtir ou dormir, si c'est ça votre poursuite dans la vie, c'est la preuve que vous êtes sous l'influence de Mammon. Mais toute personne qui sert Dieu, qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses-là lui seront données par-dessus tout. D'accord? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je n'ai aucun problème avec la richesse. Je n'ai aucun problème avec le fait d'être vêtu. Je n'ai aucun problème avec le fait que vous mangez bien. Sauf que si vous vivez pour rechercher ces choses-là, vous êtes des païens. Et vous êtes donc vulnérables à la puissance de Mammon. Mais toute personne qui me sert et qui recherche mon royaume, ces choses lui seront données par-dessus tout. C'est pourquoi il était écrit dans Deutéronome que lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, il était aussi écrit que tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on s'attache à Dieu, Dieu nous accorde la faveur au niveau de sa richesse. Reçois cette faveur au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Alléluia. Afin que Dieu te donne d'avoir accès à ses richesses sans transpirer, sans trop d'efforts. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Et ça, c'est important de le comprendre. Il dit au verset 31, « Ne vous inquiétez donc point. » Dis à ton voisin, « Sois relax, ne t'inquiète pas. » Dis-le encore, « Sois relax, ne t'inquiète pas. » Le Dieu que tu sers est capable de te combler et de te bénir. Alléluia. Mais il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Lisons encore ce texte. Ah, vous allez aimer la parole de Dieu, sérieusement. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà l'évangile qu'on a prêché pendant longtemps, a été la base des problèmes que vivent beaucoup d'enfants de Dieu dans le royaume des cieux. Premièrement, on a vu la dernière fois, beaucoup de personnes ont prétendu que la richesse était réservée aux enfants du diable. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et on a fait croire que non, mais dans tous les cas, si tu veux avoir la richesse, il faut corrompre. Il faut te compromettre. Ce qui n'est pas vrai non plus. On a vu le cas de Job. Comment est-ce que Satan lui-même a prêché une doctrine différente de ce que certaines personnes prêchent? Il a dit à Dieu, Job t'adore parce qu'il a les richesses. Et il te craint pour ça. Donc Satan lui-même sait que quand on a des richesses, on craint mieux Dieu. Est-ce que quelqu'un, il a dit à Job, il faut écouter ce message, sérieusement, contrairement à tout ce qu'on pense. Et donc, là, il y a deux choses fondamentales. Premièrement, l'enfant de Dieu doit découvrir que l'accès au royaume ne te garantit pas la jouissance des biens du royaume. L'accès au royaume ne te garantit pas la jouissance des biens du royaume.
Je peux être enfant de Dieu, appartenir au royaume des cieux et ne pas jouir des richesses de Dieu. Il n'y a pas une garantie que parce que je suis enfant de Dieu, je jouirai de la richesse. Ce n'est pas garanti. Non. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et la justice. Et la justice. Et la justice. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Donc il y a là le mot-clé et, conjonction de coordination. Je cherche le royaume et la justice. Quelqu'un dit royaume et justice. Encore royaume et justice. Maintenant suivez-moi bien. Tout ce que Dieu réserve à ses enfants a un code d'accès. Notez-le. Tout ce que Dieu réserve à ses enfants, d'accord, a un code d'accès. Quel est le code d'accès pour être sauvé? Quel est le code d'accès pour être sauvé? Invoquez le nom de Jésus. C'est le code d'accès. Vous avez crié révérend Wafo 1 milliard de temps, vous n'allez pas au ciel. Vous criez Marie 1 milliard de temps, vous n'allez pas au ciel. Vous criez Mohamed 1 milliard de temps, vous n'allez pas au ciel. Le code d'accès au salut s'appelle Jésus. Simple. Mais Dieu a déjà, d'accord, sauvé tous les hommes de la terre dans son plan parfait. Car Jésus est mort pour tous les hommes. Mais hélas, tous n'iront pas au ciel. Pas parce que Dieu n'a pas payé le prix, non, mais parce que les hommes n'auront pas découvert le code d'accès. Et le diable va toujours s'atteler à amener les enfants de Dieu à ne pas découvrir le code d'accès. Car il sait qu'aussi longtemps que tu n'as pas découvert le code d'accès, tu ne diffères en rien d'un esclave. Voilà ce qui est vrai. D'accord? Tous les hommes sont sauvés. Ta tante, tes oncles, ta mère, etc. Ils sont déjà tous sauvés en Jésus. Mais hélas, tous ne découvriront pas le code d'accès pour le ciel. C'est pour ça qu'il dit chercher le royaume. C'est-à-dire d'abord Jésus qui te donne d'entrer au royaume et ensuite la justice. Quand on parle de justice, on parle de loi. Quelqu'un dise loi. Quelqu'un dise encore loi. Bon, il n'y a pas de justice sans loi. C'est la loi qui fait la justice. Alors, mais qu'est-ce que c'est une loi? La loi, c'est quoi? J'ai défini la loi comme un ensemble de principes régissant la vie. Un ensemble de principes régissant la vie. D'accord? Dont la mise en application a des conséquences prédictibles. La mise en application a des conséquences prédictibles. Par exemple, regardez ici. Ok, je vous laisse écrire. Allez-y. La mise en application a des conséquences prédictibles. Maintenant, regardez ici. Je prends ce mouchoir et je vais le laisser. Que celui qui a l'esprit de prophétie me dise où va atterrir. Quelqu'un peut me dire où va atterrir? Est-ce que j'ai besoin d'être prophète pour savoir? Il va atterrir où? Par terre. Pourquoi est-ce qu'il atterrit par terre? Parce qu'il existe une loi. Comment est-ce qu'on appelle cette loi? La loi de la pesanteur de la gravité, qui dit que tout objet qui est lancé vers le ciel est attiré vers le centre de la terre. C'est une loi. Donc, est-ce que je peux prédire où ça va atterrir? Je peux prédire que ça va arriver par terre? Est-ce que j'ai besoin d'être prophète? Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? La loi. La loi. Maintenant, de la même façon, je vais vous enseigner certaines lois qui vont amener même le diable à prédire que vous allez être riche. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Même tes ennemis vont prédire que tu vas être riche dans la découverte de ces lois. Parce que c'est prédictible. Un principe, d'accord, c'est ce qui régit la vie. Un principe, c'est l'origine d'une chose. C'est la cause première. C'est l'origine d'une chose, c'est la cause première. D'accord? Donc nous parlons là de loi. Un ensemble de principes. L'ensemble de principes. Et dans le drame, c'est quoi? C'est qu'on a eu beaucoup de croyants. Hey, ils veulent avoir l'argent. Oh Rababosa, et Rababosa, et Rababosa, pardonne-moi l'argent, pardonne-moi l'argent, pardonne-moi l'argent. Hélas, et soyez sincères. Les gens qui prient beaucoup, sans avoir découvert les principes,
Vous les voyez pauvres et vous dites, papa, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette sœur, elle est si consacrée, ce frère est si consacré, mais il ne se marie pas. Par exemple. Non, la prière ne te donne pas, ne garantit pas le mariage. Souvent même la prière peut t'éloigner du mariage. Parce que tu pries tellement que tu n'as même pas le temps de te faire belle. Tu pries tellement que tes ongles sont toujours noirs. Quand tu parles, il y a de mauvaises odeurs. Aucun homme ne veut s'intéresser à toi. Tu as tellement prié, mais quand l'homme vient, il ne t'aime pas. C'est ça le vrai problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça le vrai problème. Donc la prière même peut être un obstacle. Et c'est pourquoi vous demandez, à l'époque, avant que Dieu ne suscite les hommes comme moi, pour pouvoir aider le corps de Christ à aller à une autre dimension, à l'époque, suivez-moi très bien, les croyants qui étaient dans la maison de Dieu avaient plus de regard dans le monde quand ils parlaient de femmes que dans l'église. Parce que c'est les femmes du monde qui ressemblaient aux filles de Dieu. Et les sœurs de l'église ressemblaient aux intercesseuses. Randa shata rababu sata rababu rababu sarababu ribabu rababu rababu. Je n'ai rien dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc de la même manière, vous avez donc des personnes qui sont dans l'église et qui veulent utiliser la prière pour avoir les richesses. Ça ne marche pas. Non. Vous savez, vous devez être très attention. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas simplement prier et jeûner et attendre que Dieu vous bénisse. C'est pas vrai. Non. Et hélas, c'est ce qu'on a enseigné aux gens. Oh pasteur, les affaires ne vont pas bien pour moi. Prends 3 jours de jeûne. Prends 7 jours de jeûne. Je vais te donner une percée. Non, les affaires ne marchent pas systématiquement parce qu'on prie ou jeûne. Il y a d'autres lois à découvrir pour que ça marche. Il y a d'autres lois à découvrir. Tant que tu ne l'as pas découvert, tu n'entreras pas en possession de tes richesses. C'est ce qui est la vérité. Mais quand on ne le sait pas, hélas, on perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. D'accord? C'est très important. Et ensuite, j'ai fait une rencontre surnaturelle avec Dieu. J'étais en Sierra Leone, et ça, j'étais à table. Dieu m'a demandé d'enseigner ça ce soir. Ça va vraiment nous amener à un autre niveau. J'étais assis à table. Il y avait des missionnaires américains, il y a une missionnaire nigériane, et puis une autre nationalité que j'oublie, c'est là. Et nous étions en train de vouloir manger. Et au même instant, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, étire-toi, je vais te parler. Je vais te confier en secret. Et donc, j'étais hésitant. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses pour moi, il y a des trésors que tu n'obtiendras pas de moi. Donc, je me suis excusé, je suis allé dans la chambre. Et la première fois, j'ai entendu Dieu me dire quelque part, quelque chose. Il m'a demandé de l'enseigner pas jusqu'à ce que je te donnerai le signal. Garde-le pour toi. Et ce qu'il m'a dit, que la dîme, l'enseignement sur la dîme, est la première cause de la pauvreté dans l'église. Et j'étais choqué. Il m'a dit, l'enseignement sur la dîme est la cause, la première cause de la pauvreté dans l'église. Et donc, il a commencé à me montrer certaines choses. Premièrement, vous voyez, quand on enseigne sur la dîme, on fait croire aux gens que s'ils n'ont pas donné, Dieu va te frapper. Il va envoyer des anges te frapper chez toi. Donc, les gens, quand ils donnent, ils le donnent par peur. Ils ont peur de Dieu. Ils ne donnent pas par foi. Et chaque fois que vous avez peur, vous attirez la puissance démoniaque. Deuxièmement, les gens, on a fait croire aux gens que, ok, une fois que j'ai donné ma dîme, c'est-à-dire 10% à Dieu, les 90% qui me restent, alors, j'en fais ce que je veux, je suis libre, j'ai déjà payé ma dette, comme si Dieu était un collecteur d'impôts. Et c'est pour ça que vous voyez, les gens ont plus de thème, j'ai payé ma dîme, comme une dette. Qui sont en train de s'enquérir. D'accord? Et c'est très dangereux. Vous voyez, et Dieu m'a montré que la mesure que nous avons imposée à l'Église en donnant cet enseignement ne permet pas aux croyants d'avoir accès au trésor de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la femme qui a donné une pièce, la Bible n'a pas mentionné son nom. On y avait une femme, elle a donné une pièce, elle a donné tout ce qu'il avait, mais on ne parle pas de son nom et on ne parle plus d'elle. Elle est anonyme. On ne fait plus référence à elle. Et pourquoi la veuve de Sarepta n'est pas devenue riche? Malgré le fait qu'elle a donné. Et donc, quand on n'a pas compris ces vérités profondes-là, on passe à côté de beaucoup de choses.
Et dans l'enseignement sur la dîme, oh, Sirangui lève les frères paresseux. On est là à l'église, ok, j'ai donné 10%. Alors Seigneur, j'attends que tu agisses. Alors c'est... Et puis tu es là, tu fais la même chose. Tu es au même poste, tu as le même travail, tu fais la même chose. Et tu attends que Dieu agisse, il intervienne. Et que Dieu multiplie tes revenus. Mais comment tu veux faire? Comment tu veux que Dieu multiplie tes revenus alors que tu fais la même chose? C'est clair, si je fais la même chose aujourd'hui que j'ai fait hier, j'obtiens les résultats d'hier. Et donc, et les gens ont dit, oh, dans tous les cas, je donne ma dîme, je serai riche. Mais honnêtement, vous êtes là, hein, plus d'un millier de personnes. Je vous pose une question. Combien d'entre vous sont devenus riches par la dîme? Pas beaucoup. Et peut-être même zéro. D'accord? Parce que la subsistance, ce n'est pas la richesse. D'accord? Le fait de manger et de boire tous les jours, ce n'est pas de riche. Combien ont eu accès à la richesse par la... Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'enseignement sur la dîme a causé de sérieux problèmes. D'accord? Regardez. Regardez. Donne-moi ça. OK? Que quelqu'un vienne. Merci. Que quelqu'un vienne. D'accord? Si j'enseigne et que je demande... J'ai dit, ok, tu donnes ta dîme, tu seras béni, tu seras élevé. Alléluia. Amen. D'accord? Il me donne sa main. Je te dis, oh, Dieu va te visiter. La grâce. Et puis tout de suite, il est là à la maison, il attend. Donne-moi la deuxième main. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le message que j'ai prêché l'a menotté. Donc le gars ne peut plus passer à l'action. Il est simplement là, il attend. Alléluia. Mais il reste là, tant aussi longtemps que ça a muselé son action, cet homme ne peut plus entrer en possession de ce que Dieu lui réserve. Il aura cru aux promesses de Dieu, mais de la mauvaise façon. Parce qu'il n'aura pas découvert les codes d'accès à ce qui lui est réservé. Donc souvent, les messages que nous prêchons créent la paralysie au niveau du peuple et les empêchent d'agir. Et le peuple devient paresseux. Ce n'est pas pour rien que la manne et la caille ne sont pas tombées à la terre promise. Se sont arrêtées. Dès que les enfants d'Israël ont mis le pied à la terre promise, la manne et la caille, ont arrêté de couler, de tomber du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'on ait accès à la richesse par le ciel. Que ça tombe, ta papa. Non. Donc toute personne qui est constamment en train d'attendre un miracle, de cette manière, a muselé sa destinée. Maintenant, si je demande aux frères, porte-moi ça et puis tu viens avec. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé. Il n'y a pas de possibilité. Et les enseignements qu'on a reçus dans nos églises ont donc amené les gens à être maintenant des esclaves. On a menotté leur destinée par la manière d'enseigner. Maintenant, quand la vérité arrive, la vérité fait un effet contraire. La vérité va donner la capacité, d'accord, de pouvoir... libérer totalement la personne, ça va. Il sera libéré à cause, d'accord, de la vérité qu'il va entendre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc cette vérité va permettre. D'accord. Maintenant, regardez, quand la vérité te libère, les mains sont libérées. Très bien. Les mains sont libérées, mais ces mains qui sont libérées doivent faire quelque chose par rapport à la liberté. Une fois que les mains sont libérées, les mains doivent être à même maintenant de passer à l'action pour récupérer justement tous les trésors et les richesses qui étaient rattachés à son identité. C'est ce que la vérité fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise j'ai été libéré. Que quelqu'un dise j'ai été libéré. Et que la liberté est mon partage. J'ai joui des trésors que Dieu m'a réservés. Voyez donc, c'est important. Et donc, quand on enseigne sur la dîme, voyez, on donne l'impression que les personnes qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas devenir riches. Alors qu'on a vu tout à l'heure que la richesse n'est pas l'argent. Donc, si quelqu'un n'a pas d'argent, comment il devient riche? Si vous dites non, celui qui donne la dîme devient riche. Comment celui qui n'a pas devient riche? Comment donc Dieu prendra le pauvre pour en faire un riche s'il n'a pas de dîme? La dîme n'a jamais et n'est jamais la première raison de richesse pour un enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Ce n'est pas la première cause de richesse.
La raison pour laquelle elle est établie aujourd'hui comme première cause, c'est parce que la majorité des pasteurs sont en sécurité quand les gens donnent la dîme. Donc elle est enseignée, pas pour que les gens deviennent riches, mais pour garantir les 10% qui font que le pasteur ne mourra pas de faim chez lui. C'est ça la raison. Donc aussi longtemps que la motivation, c'est d'extraire les 10% pour que moi je puisse avoir quelque chose, c'est impossible qu'on ait accès à la richesse. Impossible. Parce que ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Jamais. L'intention de Dieu n'a jamais été que ce... Non, ça n'a jamais été son intention. Jamais. Ce n'est pas la raison première pour laquelle Dieu veut que tu apportes à Dieu. Et c'est pour ça que tout pasteur qui est pasteur, après une semaine, connaît Malachie 3, 10 par cœur. Apportez à la maison du trésor. Tout le monde dit, oh, mettez-moi ici à l'épreuve. Vous verrez, etc. Très bien. Ça, c'est, voyez-vous, très bien. C'est très important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que la première fois que la dîme a été donnée, elle a été donnée par qui? Elle a été donnée par Abraham. Elle a été donnée pourquoi? Abraham était sorti victorieux d'une bataille. Il a vaincu le roi de Kedar-Lomer. Et donc, il a libéré son fils, son neveu Lot. Il a ramené les trésors. Et la Bible dit qu'il est revenu vers l'Éternel avec la dîme. Pas comme une loi, mais comme une action de grâce. Comme une gratitude. Comme pour dire, j'apporte ma couronne au pied de celui qui m'a donné la victoire. C'était une gratitude. C'était une reconnaissance à l'égard de l'Éternel qui lui a donné la victoire. Ce n'était pas une loi. La première fois, c'était donné. C'était une gratitude. Donc, la meilleure façon d'apporter sa semence à Dieu, c'est d'abord la reconnaissance de ses bienfaits à notre égard. C'est une adoration à l'égard de celui qui nous rend capables d'avoir accès à cette richesse. Voyez-vous, béni soit le Dieu très haut, Genèse 14, verset 20, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. D'accord? Deuxième chose qu'il faut comprendre, quand Abraham a donné la dîme de tout, il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Il n'est pas allé à l'orphelinat déposer la dîme de tout. Il l'a donné à Melchisédek. Parce que Melchisédek avait la capacité de déclarer des choses sur la vie d'Abraham. De trois, parce que Melchisédek avait donné le pain et le vin à Abraham. Donc, Abraham a apporté la dîme de tout à Melchisédek, parce qu'il avait reçu du pain et du vin. Donc, si je ne suis pas nourri, je n'ai pas de pain, pas de parole, pas de directive de l'esprit quelque part, et que pourquoi est-ce que je dois être là à essayer d'être redevable à l'égard de cet hôtel, alors que l'hôtel ne m'a rien apporté? C'est le même principe qui apparaît dans Galates 6:6. Faites pas de tout vos biens à celui qui vous enseigne. C'est dans ce sens-là que, bon, comme vous avez été impacté des biens spirituels, à retour, vous posez sur cet endroit une action de grâce à l'égard de l'Éternel qui, par la puissance de ses messages, vous a permis de devenir ce que vous êtes. Abraham reconnaissait que la victoire sur le roi de Kedar-Lomer n'était pas par sa force. Alors, ils viennent déposer devant l'autel une partie des semences pour dire, Père, je te remercie. Aujourd'hui, les gens vont prendre des crédits. Oh, donne la dîme des crédits. C'est un crédit. C'est un crédit. On va récupérer la dîme du crédit pour faire une affaire. Comment est-ce qu'il va faire son affaire si tu as pris la dîme du crédit? L'Éternel va te frapper si tu n'as pas fait. Ce n'est pas ton argent. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ce n'est pas ton argent. Donc, mais c'est après la victoire que je prélève une portion pour l'Éternel. Que ce soit mon salaire, que ce soit mes affaires, que ce soit mon entreprise, je prélève une portion. Mais pourquoi une portion? Regardons bien maintenant l'origine de cette histoire. Regardons bien. Au commencement, il n'y avait pas de dîme. Genèse 1, verset 29 à 30. Regardons ensemble. Nous parlons du code de l'accès à la richesse. Est-ce que quelqu'un est présent? Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Continuons le code d'accès à la richesse. Alors, il dit, après avoir créé l'homme, Dieu dit, voici, je vous donne toute la buvette portant la semence
qui est en surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Continuons. Il dit verset 30, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, et en son souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Voyez bien que Dieu est très intelligent, et il classifie en deux ordres l'instruction qu'il donne. Il dit à l'homme, pour toi, je te donne le fruit d'arbre portant de la semence. Je te donne le fruit d'arbre portant de la semence. Donc c'est ce qu'il dit, je te donne du fruit d'arbre portant de la semence. Mais aux animaux, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Vous voyez qu'il y a une différence entre l'instruction donnée à l'animal. L'animal devait manger l'herbe verte sans penser à la semence. Alors que l'homme, on lui donne de l'herbe verte portant de la semence, du fruit d'arbre portant de la semence. Il y a une différence. Il y a une différence. Dieu n'a jamais voulu que l'homme mange sans prélever la semence de sa nourriture. Mais il n'a jamais voulu qu'un animal sème. Amen. C'est pourquoi, de façon légitime, il dit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent n'ont de quoi manger. Parce qu'il ne leur a pas été demandé de s'aimer. C'est pour ça qu'il mentionne les oiseaux. Parce qu'à eux, on dit de ne pas s'aimer. Mais à toi, on dit cherche du royaume et la justice. Parce que si on n'a pas dit aux oiseaux de ne pas s'aimer, ce n'était pas à toi. Il dit, ah, il mange sans s'aimer. Mais toi, si tu veux voir le ciel t'apporter tout ce qu'il te faut, n'oublie pas ce qui avait été dit. L'herbe verte portant de la semence. C'est ça. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça. Portant de la semence. Maintenant, suivez-moi attentivement. Nous sommes au jardin d'Éden. Quelqu'un dit jardin d'Éden. Quelqu'un dit encore jardin d'Éden. C'est beau ce que Dieu m'a dit ce matin. Je suis en train de dormir quand Dieu a soufflé dans mes oreilles. Et ça m'a fait du bien. Je me suis levé rapidement, je notais dans mon portable. Et j'ai appelé un ami calé dans les Écritures pour partager avec lui cette révélation que j'entendais de Dieu pour la première fois. C'était très beau. Et Dieu m'a dit, fils, je veux que tu saches ceci. Il n'y a pas eu d'autel au jardin d'Éden. C'est-à-dire, au jardin d'Éden, on ne pouvait pas parler d'autel comme après la chute. Il n'y avait pas d'autel de Dieu. Non. Mais le principe de Dieu était présent sans autel. Puisque le fruit d'arbre était ramené à la terre. La terre n'est pas l'autel. Non, il n'y avait pas d'autel. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'église. Mais il y avait le principe. Il n'y avait aucun pasteur, aucun. Donc quand l'homme arrivait à manger, d'accord, ce que l'homme devait faire, il dit je veux manger, je veux me servir. Et il prend et il ouvre. Bon, à l'époque aussi, je consomme tel qu'il n'y avait pas de couteau. Mais je ne suis pas à l'époque d'Adam, donc je vais ouvrir le couteau. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il découvre? Ça s'appelle quoi? Imaginons que Adam a faim et qu'il hab les deux ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le goût du fruit n'est plus le même. Pourquoi ce n'est plus le même? Parce que le noyau n'a pas été fait pour être mangé. Et de deux, le noyau consommé peut causer des problèmes au ventre d'Adam. Parce que son ventre n'a pas été accommodé à manger des semences. Mais a été accommodé à manger des fruits. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. À manger des fruits. Mais cette semence devait être apportée en terre. Maintenant, suivez-moi bien. Pour vous dire clairement que la loi de la dîme n'est pas la première loi de la prospérité. C'est faux. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de dîme. Et même la loi de la semence n'est pas la première loi. La première loi, c'est la loi du travail. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. La première loi, c'est la loi du travail. Le problème, c'est que les prières nous ont rendus tellement paresseux que nous n'arrivons pas à entrer en possession de ce que Dieu nous réserve. C'est la loi du travail. Pour aller chercher cet avocat sur un avocatier, je vous garantis qu'il faut être un grimpeur. Et grimper, c'est travailler. Il faut s'incliner pour maintenant récupérer. Alors, si tu décides d'attendre que cela tombe, tu donnes la possibilité aux oiseaux de te dévancer. Parce qu'à eux, il a été donné de manger sans s'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Donc, ils peuvent venir récupérer ta semence sur l'arbre.
et mangeait ta semence. Et tu vas te plaindre, oui, je ne comprends pas pourquoi Dieu me donne toujours les avocats picorés. C'est exactement comme ça que certains croyants sont. Je ne comprends pas pourquoi j'ai le même salaire. Je suis venu à l'église là depuis longtemps. Ma vie n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu dors, tu te rêves à 15h. Et tu es là, tu dis ta vie va changer. Oh, le pasteur Wafo, il n'est pas loin. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas loin. C'est que toi, tu n'es pas trop clair dans ta manière de voir les choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça le vrai problème, bien-aimé. C'est ça le vrai problème. Les oiseaux d'évances vont te dévancer sur l'arbre. Des fruits de ta destinée, si tu es oisif et pas reçu. Tu ne mangeras jamais le meilleur du ciel si tu n'aimes pas travailler. Parce que les oiseaux vont picorer d'avance tout ce qui est à toi. Et je vais plus loin. Les démons n'ont accès à tes richesses que quand tu refuses de travailler. Les démons, ils ont accès à tes richesses quand tu refuses de travailler. Le travail est le premier principe que Dieu a établi. D'accord? Pour que l'homme puisse être épanoui et heureux. Travailler. Travailler. Aucune personne qui n'aime le travail ne peut prétendre avoir accès à la richesse. La richesse est réservée à ceux qui travaillent. Que quelqu'un dise « je travaille ». Que quelqu'un dise « je travaille ». Certains d'entre vous, vous pensez que les pasteurs ne travaillent pas, vous vous trompez. Être pasteur, c'est le travail, sérieusement. 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 Depuis le matin jusqu'à présent, je n'ai rien mangé. Pas parce que j'ai voulu, mais parce que cela m'a été imposé. Et en train de méditer, en train d'étudier, en train de fouiller, en train de prier, en train de louer, de lever les mains vers le trône de la grâce pour écouter les directives de l'Esprit. Ensuite, il faut consigner la parole. Il faut organiser. C'est du travail. C'est du travail. Toute personne qui n'aime pas travailler ne verra jamais le meilleur du ciel. Jamais sur terre. Le travail. Il faut travailler. D'accord? Maintenant, voyez-vous, donc derrière la loi de la sémence se cache des lois vitales. Se cache des lois vitales. Donc on dit aux gens, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Adam n'a jamais s'aimé dans une église. Il a s'aimé au sol. Il a travaillé. Et puis Dieu a arrosé. D'accord? La sémence d'Adam était une sémence de création. Parce que vous devez comprendre que avant, quand je crée des choses, il nous permet de participer à la continuité de la création par la sémence. C'est-à-dire, quand Dieu t'a réservé un avocatier, mais quand il vient te donner l'avocatier, il vient, il te donne ça. Il te dit, ok, tu as besoin d'un avocatier, tiens, voilà. Mais toi, tu es là, oh non, Dieu, j'ai demandé un avocatier. Et puis tu prends ça, tu jettes. J'attends l'avocatier, j'attends l'avocatier, j'attends l'avocatier. Et Dieu vient encore, il répond, il dit, fils, tu as besoin de quoi, avocatier? Tiens. Mais le croyant est tellement paresseux qu'il veut que Dieu vienne planter un avocatier dans sa cour. Avocatier, avocatier, j'appelle avocatier. Dieu dit, reste calme. Tu n'as pas à chasser les démons. Ça, ce n'est pas les esprits héréditaires. Le problème qu'il y a, c'est que tu en parles ceux qui refusent de voir les choses comme moi. Voilà l'avocatier que je t'ai donné. Dieu, quoi, tu m'as donné un avocatier? Oui, c'est là. Mais maintenant, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Et quand tu regardes, tu dis, waouh, c'est un avocatier. Donc, la richesse commence par la perception nouvelle qu'on a des richesses qu'on possède. Je reprends. La richesse commence par la perception nouvelle qu'on a des richesses qu'on possède. Parce que même le pauvre est riche. Le vrai problème, c'est que le pauvre ne voit pas sa richesse. Parce que sa perception est erronée. Je n'ai que, il ne me reste que, je n'ai que ci, je n'ai que ça. Parce que le diable a tendance à t'amener à dévaloriser ce que Dieu t'a donné. Le potentiel. Quelqu'un dit ce potentiel. Et donc, à quelqu'un d'autre, Dieu va promettre... Quelqu'un, ok, à quelqu'un d'autre, Dieu dit ok, il a demandé une plantation, Dieu a proposé, il a demandé une plantation, et Dieu donne ça. Il a donné aux deux personnes deux la même chose, d'accord, mais pour deux requêtes différentes. Lui, il a demandé un manguier, un avocatier, Dieu lui a donné un avocatier. Lui, il a demandé une plantation, Dieu lui a donné une plantation. Mais tout dépend du regard qu'il place sur la sémence qu'il possède. Et de la capacité à fructifier le potentiel déposé entre leurs mains. Parce que Dieu est tellement intelligent que chaque fois qu'il te confie des milliards, il préfère souvent te donner 10 000.
Parce que au fur et à mesure que la semence grandit, il faut que tu t'accoutumes au développement de ta semence. Sinon, si tu n'es pas accoutumé à sa croissance, tu auras des problèmes avec ce qui arrive. Donc tu dois être là pour observer comment est-ce que ça monte, comment est-ce que ça se développe. Ça devient un homme avocatier, ça devient une plantation. Mais tu es accoutumé. Mais si tu te places directement dans la plantation, tu risques de perdre tes repères. C'est ce qui arrive à plusieurs quand ils gagnent la loterie. Ils deviennent fous. Parce qu'ils n'ont pas eu le poste, ils n'ont pas eu le temps de voir grandir la richesse. Je vois des milliardaires dans cette salle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je dis, je vois des milliardaires dans cette salle. Oh, que l'onction de la prospérité t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dieu est capable de te faire signer un contrat où tu n'as pas postulé. J'ai déjà vu ça se faire. Quelqu'un qui en appelle, on dit tu as déposé des papiers, mais il n'a pas déposé. L'ange de Dieu peut collaborer avec toi aussi longtemps que tu es prêt ou tu es prête à travailler. Les portes de faveur s'ouvrent devant toi. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Alléluia. Maintenant, si j'ai mis ça en terre, d'accord, et qu'il me reste ça, et que dans tous les cas, je dis, papa, je t'ai déjà donné pour toi. Hein? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? C'est ce qui est transformé après pour appeler dîme, c'est ça. J'ai déposé ça en terre, il me reste ça. Et puis je dis à Dieu, je t'ai donné ce que j'ai. C'est vrai? Dans tous les cas, si tu manges ça, ça te crée des problèmes. Ça, c'est réservé pour aller en terre. Donc maintenant, il me reste ça. Et ça, si j'aime Dieu, qu'est-ce que je partage avec Dieu? Le noyau ou le fruit? Non, je vous pose une question. Si j'aime Dieu, j'ai déjà donné mon noyau. D'accord? J'ai donné ma dîme à l'Éternel. Alléluia. Je suis un bon croyant. J'ai donné ma dîme. Maintenant, je suis à table. Dieu dit, donne-moi une part. Tu dis, papa, écoute, je t'ai donné la dîme. Laisse-moi tranquille. Là, j'ai faim. Je veux manger. Dieu dit, donne-moi quelque chose. Il dit, papa, j'ai donné la dîme. C'est quoi? En fait, la dîme contient le potentiel de multiplication. Donc, par la dîme, par le semence au départ, je continue de créer. Parce que quand Dieu crée, il crée une partie et il me donne la possibilité par mes semences de multiplier ce qu'il me donne. Maintenant, quand je prends le fruit et que je donne une parcelle à Dieu, alors je dis, ouais, j'ai partagé avec Dieu ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc celui qui dit, j'ai donné 10%, j'ai donné 10%, j'ai donné 10%, le ciel le regarde, le ciel rit, en disant, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, qu'en est-il de celui qui mange même les 10%? Il est appelé homme animal. Homme animal. Homme animal. C'est-à-dire, il récupère les deux, et puis... Voilà exactement ce qui arrive à beaucoup de croyants, d'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? Demande à ton voisin, est-ce que tu as bien compris? D'accord, c'est idem à l'intérieur, vous trouverez des différentes semences. D'accord, est-ce qu'on a bien compris ce que je suis en train de dire? Donc vous voyez, donc là, dans le jardin d'Éden, le code d'accès à la richesse pour Adam s'appelait sa semence, qui était le noyau. Mais s'aimer n'était pas simplement mettre le noyau en terre, mais c'était travailler pour arroser, pour protéger, couper les herbes et permettre, d'accord, au noyau de se développer. Donc c'est tout ça le processus. Donc derrière le principe de la semence, il y a d'autres principes qui se cachent, d'autres lois derrière. La loi, par exemple, du choix, la loi de la qualité, la loi de la mesure, sont des lois qui se cachent derrière la loi de la semence. Si je prends un mauvais noyau et je pose en terre, est-ce que j'aurai un bon arbre? Est-ce que j'aurai des bons fruits? Non. Même si le sol est bon, mais le noyau est mauvais, la récolte ne sera pas bonne. Maintenant, si je prends ma semence, et elle est bonne, je la mets dans un mauvais sol, est-ce que ça porte des fruits? Dites-moi, est-ce que ça porte des fruits? Ça ne porte pas des fruits. Un jour, j'ai prié pour une dame, je n'ai jamais oublié. Et puis, elle a eu une grosse percée financière. Elle m'a appelé toute heureuse. Oh, pasteur, le Seigneur a explosé mes affaires. Alléluia, amen. Et puis j'ai dit, ok, je l'écoutais avec joie, je suis content.
Et puis il me dit, oh pasteur, j'ai pris ça, je suis allé déposer dans telle grotte. Je lui ai dit, va récupérer ça. Ouais. Parce que depuis que tu étais devant la grotte, le ciel ne s'est pas ouvert. Tu as dû quitter la grotte et puis tu es venu voir une onction vivante qui a relâché des paroles sur ta vie. Et dans là où Dieu t'a apparu, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. C'est là où l'autel se trouve. Va ramener ça ici. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc maintenant on verra que ça c'était le cas d'Adam. Mais maintenant après Adam, quand Adam a chuté, là maintenant, on a commencé à voir des sacrifices qui n'étaient plus des sacrifices de la création, mais des sacrifices de la rédemption. C'est ainsi qu'Abel a donné à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, parce que son sacrifice participait à la rédemption. Et Jésus est le dernier sacrifice de la rédemption. Donc on ne peut plus te demander un sacrifice pour être sauvé, parce que Christ a été le dernier sacrifice de la rédemption. Mais cependant, après la rédemption, il y a la régénération. Il y a le fait de gagner les âmes pour Dieu. Alors, si j'apporte un sacrifice sur l'autel, ce n'est plus pour la rédemption, mais c'est pour participer au mouvement de régénération qui prend place sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, si je viens devant le trône de Dieu, je dois être conscient de cette vérité. Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien compris? Maintenant, si je vous pose la question, quel est donc le code d'accès à la richesse? C'est quoi le code d'accès? Demande à ton voisin, est-ce que tu as bien compris? Quel est donc le code d'accès à la richesse? Le code d'accès à la richesse, c'est quoi? C'est quoi? Le travail. Maintenant, dès que tu as travaillé, la deuxième chose à faire, c'est de déclencher tout de suite la loi de la semence. Immédiatement. Dès que tu as eu le fruit de ton travail, dès que tu as eu ton salaire, la chose à faire à l'immédiat, c'est d'extraire la semence qui se trouve dans le fruit. Parce que la semence du palier où tu te trouves est la garantie de ta progression vers un autre palier. C'est-à-dire, si je suis ici et que j'ai 500 000 francs de salaire et que je peux donner 50 000, 100 000 de salaire, de semence à Dieu, je suis en train de garantir que je vais monter au palier d'un million. Parce que ma semence est la garantie d'aller au palier supérieur. Ça se contenu dans ma semence. Ça joue ce rôle, justement. La semence a la capacité d'apporter à l'existence les choses que Dieu te réserve. Parce qu'après la chute, le ciel a eu l'habitude d'être fermé. Et la semence a la capacité, surtout le sacrifice, d'ouvrir le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, mets ta main sur ta tête, dis, ça c'est ma portion. Je suis un homme béni. Je suis un homme comblé. Car la main de l'Éternel est sur ma vie. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que une femme comme la veuve de Sarepta, qui a été reçue, qui a eu la reçu la visite d'un prophète, a donné au prophète un peu de farine, un peu d'huile, mais n'est pas devenue riche pour autant? Pourquoi? Parce que la loi de la semence fait intervenir la loi de la mesure. Quelqu'un dit la loi de la mesure? Quelqu'un dit encore loi de la mesure? Regardez Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La loi de la mesure, c'est-à-dire que deux personnes reviennent, d'accord? Regardez-moi ici, regardez ici. Deux personnes peuvent s'aimer et ne pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que premièrement, ils vont s'aimer deux choses différentes. Le ciel répondra à leur semence en fonction de la mesure qu'ils auront employée. On te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. C'est un principe divin. Donc si je pense à la loi de la semence et que, en retour, je n'ai pas compris ce que c'est que la loi de la mesure, ce qui va se passer dans ma vie, c'est que je passe à côté de ce que le ciel me réserve. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois que Dieu existe?
Demande-le véritablement, est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils lisent la Bible, ils parlent de la Bible, mais quand il s'agit de la sémence, à un certain moment, le diable fait croire que ses affaires ne marchent pas. Quand vous trichez avec Dieu, et vous dites, ok, dans tous les cas, je donne 5%, d'accord? Je donne 3%, je donne 1%. Vous êtes en train de dire à Dieu, je ne crois pas que tu existes, que cette affaire n'est pas vraie. Mais Dieu te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. La mesure du palier présent va déterminer ce que tu auras dans le futur. Vous voyez, tout dépend de ce qu'ils ont. Moi maintenant, regardez, j'ai été dans le même pays, en Sierra Leone. J'ai reçu une prophétie. Oh, claire de Dieu. D'abord, Dieu m'a parlé clairement. J'étais de ceux qui ne croyaient pas en la richesse. Si vous m'entendiez prêcher des vertus de la pauvreté, je vous garantis, vous pouvez faire le vœu d'être pauvre. Si je prêchais des vertus de la pauvreté, c'est-à-dire tu restes comme ça, tu es riche, tu as envie d'être pauvre. Il y a des messages qui sont dangereux. Parce que quand Dieu t'a donné l'onction, tu peux utiliser l'onction même pour mentir. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi et me parle. Le premier message, c'est intitulé « Le sang de la prospérité ». C'était en Sierra Leone. Je n'ai jamais oublié ce message. Quand je prêchais dans l'église, le pasteur d'ailleurs est venu dans cette église il y a 2 ans. Quand je prêchais ce message, il y a 1 an. Quand je prêchais ce message, dans l'église de ce pasteur, il n'y avait que les tambours. Quelques temps après, il m'appelle pour me dire, écoute, les gens ont commencé à acheter des voitures dans l'église. Parce que la vérité, l'onction, là, s'était répandue dans l'église. J'ai commencé à le voir dans plusieurs églises. Comment est-ce que cette onction a commencé à travailler? Mais Dieu m'avait dit, je te fais partir vers un pays. Il m'a donné le nom de la Côte d'Ivoire. Il dit, je t'envoie, tu prêcheras la parole de foi à partir de là. Et tu permettras à mon peuple d'entrer en possession de mon héritage. Et après, il m'a dit, je te rendrai riche, puissamment riche. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais convaincu que la promesse de Dieu était vraie. Donc, quand je passais mes premières nuits à la gare de bus, oh là là, et que les moustiques me bouchaient, je ne pensais même plus aux moustiques. Je savais que Dieu m'avait promis. J'allais être riche. Quelqu'un dit, je vais être riche. Quelqu'un dit, je vais être riche. Je suis allé chez des réfugiés. Après, j'ai eu ma maison là, tiens, 90 000 francs CFA par mois. Et donc, un jour, j'étais là, fatigué de voir Dieu pourvoir à mes besoins, jour après jour. J'ai dit, Dieu, est-ce que je ne suis pas qualifié pour avoir accès à mon héritage? Et donc, j'ai décidé moi-même maintenant de découvrir le code d'accès qui me permet d'entrer dans la promesse de Dieu. Je suis allé faire 7 jours de jeûne, 7 nuits de jeûne. Je me suis enfermé là derrière. Je me rappelle ça comme c'était l'une des plus belles rencontres avec Dieu. Le 7e jour, après avoir fait toutes sortes de prières les plus inimaginables, j'entends une voix qui me dit, envoie 1 million pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. Je prends autorité contre cette voix. J'étais convaincu que ce n'était pas Dieu. Comment vous allez demander à quelqu'un qui touche 15 000 d'envoyer 1 million? Ça n'a aucune logique. Donc, j'attendais que Dieu vienne me dire, dans tous les cas, ne t'inquiète pas. J'avais souvent entendu les témoignages des grands hommes de Dieu. Telle personne m'a donné une semence de tel montant d'argent. Donc, j'attendais que moi aussi, quelqu'un vienne me dire, voici 10 millions. À cette époque-là, 10 millions d'un coup, waouh, ça allait être fantastique. D'accord? Mais j'attendais. La deuxième fois, la voix me dit, donne 1 million. Donc, et j'étais convaincu que là, Dieu a décidé de ne pas me parler. La troisième fois, j'entends la voix et le Saint-Esprit ajoute, c'est moi que tu lis. Donc, d'un éclair, dès que mon esprit a accepté, l'éclair de la vérité est descendu dans mon homme intérieur. Et le Saint-Esprit a commencé à amplifier pour dire, mais si ton père te dit, envoie 1 million, c'est-à-dire qu'il te donnera au moins 10, pourquoi tu n'as pas confiance? Donc, tout de suite, j'ai compris que Dieu venait me donner la clé. Vous savez, quand on est pauvre, on pense à recevoir. Quand on est riche, on pense à donner. Donc, Dieu venait de changer, de me sortir du cycle de la pauvreté, qui est là pour attendre, pour m'amener au cycle de celui qui est là pour donner. Donc quand j'ai commencé à penser donner, j'ai été rempli de joie. J'ai dit, Dieu, je donnerai. Oh Dieu, je le ferai. Oui Dieu, j'apporterai. Oui Dieu, je le ferai. Et donc, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu pour une clé, tu l'as. Tu as la clé. Venez me donner le code d'accès. Je suis sorti, quand j'ai tapé à la porte, on est venu ouvrir. Je suis sorti, je me rappelle encore, un serviteur de Dieu, Jefferson. Quand je l'ai rencontré, il m'a regardé.
Je lui ai dit, je vais à la cabine téléphonique. On enseignait la parole de Dieu ensemble. Il m'a demandé, est-ce que Dieu t'a parlé? Je l'ai regardé, j'ai dit, Dieu m'a dit d'envoyer 1 million de francs. Quand il m'a regardé, il m'a dit, Dieu t'a parlé. Donc on pouvait le sentir. Tu pouvais sentir, je dégageais quelque chose. Après, je sortais de sa présence. J'étais sûr que ma vie avait basculé. J'étais convaincu. Sans me rendre compte de quoi que ce soit, je savais que je tenais entre mes mains les codes d'accès à la richesse. Je l'avais entre mes mains. Je suis allé passer le coup de fil. J'ai dit à mon père spirituel, de mamie, à cœur de t'envoyer 1 million. Il a crié, what? Dieu t'a béni en Côte d'Ivoire. J'ai dit, oui, je m'a béni. À partir de cet instant, je le parlais en vérité. À l'intérieur de moi, j'étais devenu riche. Cette nuit, à l'heure où je parle, sérieusement, certains d'entre vous, c'est ce soir. Non, t'as pas compris. J'ai dit, c'est ce soir. Ce n'est pas demain. Parce que je vous ai dit que la richesse commence dans l'esprit de l'homme. Cette nuit, quelque chose va entrer en toi. Cette nuit, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce soir, quelque chose va voler dans ton esprit. Se déposer à l'intérieur, brisant le cycle de la pauvreté pour t'installer dans la richesse. Je déclare sur ta vie que tu ne mangeras plus jamais ton pain. Je te donne d'avoir accès aux trésors qui te sont réservés. Donne-moi le meilleur des amens. Que quelqu'un dise, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis-le encore. Dis-le encore. Oh, que la faveur de Dieu soit sur toi. Certains d'entre vous recevront des idées nouvelles. Il y aura des connexions préétablies par le ciel. Un ange te rendra visite par la puissance en haut. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur de tes amens. Et quand j'ai terminé cet enseignement, ce message, je suis parti invité par un pasteur à Kumasi Ramblay. Je suis parti enseigner. C'était un samedi sur le mariage. Il y avait deux personnes qui se mariaient. Et les pasteurs n'aiment pas travailler samedi, c'est à raison. Parce que dimanche, ils sont occupés encore. Donc, il m'a invité et il m'a demandé de venir enseigner. C'était un couple qui se mariait. Donc, je suis venu, j'ai enseigné. Aussi simplement, enseigner quelqu'un qui était très affaibli. Je n'avais pas encore récupéré vraiment de ce jeune à sec. D'accord? Et donc, j'enseignais calmement. À la fin, j'avais déjà à cette époque quelqu'un qui était autour de moi. Vous savez, parce que j'avais vu faire. Je pensais qu'un grand homme de Dieu, c'est quelqu'un qui marche à faire comme bodyguard. Donc, j'avais quelqu'un. On était tous deux de bons galériens. D'accord? Chacun est dans sa galère. Mais comme moi, j'étais le pasteur, je jouais l'important. Donc, lui, il portait mes affaires. Mais dans rien. C'est-à-dire, on était tous des rienneux. À cette époque, on avait tous rien. Donc, alors, j'ai terminé l'enseignement. Il est venu à côté. Mais vous savez, quand vous avez des jeunes frères qui sont à côté des pasteurs, souvent, ils sont très excités et zélés. Parce qu'ils sont là. Souvent, c'est toi qui prêches, mais c'est eux qui prennent la gloire. D'accord? Et donc, vous voyez. Et donc, quelqu'un est venu vers moi. Un monsieur, pas signifiant. Je vous insignifiant d'apparence. Insignifiant. Il s'est approché. Et le gars a bloqué. J'entends Dieu qui me dit, reçois cet homme. J'ai dit au gars, laisse-le venir. Quand le gars approche, il me dit tout tremblant. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il n'a pas envie de montrer à tout le monde ce que nous traversons. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es là, tu n'as rien. C'est tout le monde qui vient te dire, donne-moi un peu d'argent. Prête-moi 100 000. Donne-moi 1 million. Pourquoi est-ce que les gens te demandent ça? Parce qu'ils sont en train de prophétiser sur ton futur. Ça ne sert. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Sérieusement. Ouais. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque fois, écoute-moi très bien, je parle prophétiquement. Chaque fois que les gens viennent à toi et qu'ils te disent, écoute, donne-moi l'argent. Ne dis jamais je n'ai rien. Ne dis jamais je n'ai rien. Voici ce que j'ai fait. J'ai pris et j'ai dit, bon, je vais inscrire ton nom dans le rôle. Et puis, selon les demandes, je vais analyser. Et donc, quand ton temps viendra, je te donnerai quelque chose. Ne répondez pas pour dire, toi-même tu vois que je suis foiré. Tu n'es pas foiré. Je suis non. Tu n'es pas foiré. Tu n'es pas. Faut jamais le dire. Jamais de la vie. Jamais le dire. Jamais de la vie. Parce que s'ils l'ont vu, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut qu'on voit. Et vous allez vous rendre compte que Dieu va provoquer des rumeurs.
les gens vont commencer à vous détester. Les gens vont commencer à dire, mais elle se prend pour qui? C'est parce qu'elle est un peu. Il ne faut pas dire que non, ma soeur, je suis comme vous, hein, je n'ai rien. Non, laisse-les parler. Joseph n'est pas allé dire à ses frères, non, non, laisse-les parler. C'est ce qui va t'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce qui arrive. Vous savez, quand la richesse a pénétré votre esprit, même dans votre démarche, on sent que la richesse est arrivée. Ça commence à vous transformer de l'intérieur. Ne soyez plus la personne craintive et tout, qui a peur. Non, vous êtes riche. Quelqu'un dit, je suis riche. Ah, quelqu'un dit, je suis riche. Je me rappelle, je suis arrivé aux États-Unis. Pendant que je suis en train de demander à Dieu comment j'ai fait pour vivre, on repart une nouvelle en Côte d'Ivoire pour dire, je viens de fêter mon 7e milliard. Et tous les pasteurs parlent, voilà, cette fête, son fait 7e milliard. Maintenant, je vais prendre le téléphone pour dire aux gens, mais on raconte des histoires. Dieu dit, tais-toi, tais-toi. C'est, je suis en train d'arranger des affaires et si tu n'ouvres pas ta bouche, ferme-la. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tais-toi. Et il y a des choses sur lesquelles on ne contredit pas. Si on a dit que tu es élevé, ferme ta bouche. On a dit que tu es rouge, ferme ta bouche. On dit que tu es béni, ferme ta bouche. Mais si quelqu'un dit qu'il t'a vu mourir, parle. Si quelqu'un dit qu'il t'a vu pauvre, parle. C'est là que tu annules, mais pas la bonne chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. C'est important. Parce que prophétiquement, les gens vont commencer à voir. Tu vas sortir d'ici, on va t'appeler en réunion de famille. On va t'appeler. Il y a deuil. On dit tout le monde donne 100 000. Toi, tu donnes 300 000. Ne commence pas à dire je suis pauvre. Accepte. Tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle le syndrome de Wafo. Le syndrome de Wafo. Je vous explique quel est le syndrome. Le syndrome de Wafo, c'est que même chez les blancs, quand on dit que c'est Wafo qui paye, on augmente les prix. Même chez le blanc. C'est Wafo augmenté. Ce gars est riche. Ferme ta bouche. Ne commence pas à dire non, tu sais, non, t'es riche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça le syndrome. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le syndrome des riches. Quand les gens donnent pourboire 25 francs au gars au manant du plateau, tu donnes 500. C'est ça le riche. Il faut entretenir ton image. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Que cette faveur t'accompagne au nom suprême de Jésus. J'ai dit, c'est cette nuit, pas demain, cette nuit. Cette nuit, j'ai dit cette nuit, le compte qui était fermé, cette nuit tu y as accès. Pas demain, dis à ton voisin c'est cette nuit, tu vas avoir accès à ton coffre. Cette nuit même. Alléluia. Et donc il est allé de côté, le monsieur est venu me voir, il me dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. Quand j'ai entendu, les deux genoux ont failli se toucher. J'ai demandé, tu as dit quoi? Il dit, Dieu, et il tremblait. Donc quand il me regardait, il était sûr que, vous savez, quelqu'un te donne 15 millions, et il dit, s'il te plaît, accepte. Toi, tu as envie de lui dire, mon Dieu, même si c'était 1 million, j'accepterai. Mais il est là, il te dit, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Je ne sais pas. Dieu va t'amener à un autre niveau. Dieu va t'amener à un autre niveau. Dieu va t'amener à un autre niveau. Ce que je vais te demander ce soir, enlève les vêtements de Jacob. Porte ceux d'Ésaü. Parce que si tu n'acceptes pas de te changer, il est possible que ça ne vienne pas chez toi. Écoute-moi très bien. À un certain niveau, il faut faire semblant. Change-toi. Change ta voiture. Change-toi. Change tes habits. Change-toi. Commence à te présenter comme Ésaü qui devait recevoir la richesse. Change-toi. Parce que la foi va t'amener à l'étape du faire semblant. Jusqu'à ce que ça vienne. Ton mépris a failli se toucher. Hey, j'entends, je me dis, calme-toi, fais comme si tu as déjà reçu cet argent avant. Et puis, il faut me voir dans mon petit malin. Viens, viens. Les messieurs en face de moi, et puis ils parlent. Et puis, comme j'ai entendu Dieu me parler, j'ai dit, ok, pas de souci. D'accord, comment ça va se passer? Donnez-moi votre numéro de téléphone. J'ai pas de téléphone.
À domicile, il n'y a pas de téléphone. On est face à un dilemme. Indiquez-moi comment vous retrouver. Je n'ai pas de bureau. Je n'habite que chez moi, à Adien. Donc là, maintenant, je vais commencer à indiquer. Tu arrives à Las Palmas, tu descends. Tu regardes bien à ta droite, tu vas voir une première poubelle. Deuxième poubelle. Tu tournes sur la gauche. Tu vas voir un avocatier. Tu vas... Je commence à citer. Tu tournes à gauche, tu vas voir une voiture qui est là, elle est en panne, bleu ciel. Tout, je commence à me rappeler de tous les détails. Pour l'indiquer, il dit, je connais. Je dis, en face, est-ce que tu es sûr? Je reprends encore. Parce qu'il ne faut pas qu'il me loupe. Il ne faut pas qu'il te trompe d'endroit. Il ne faut pas qu'il me perde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que ce qui est à toi t'atteindra sûrement. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et le monsieur, dans tous mes descriptifs, j'ai commis la plus grosse bêtise de ne pas prendre son numéro de téléphone. Ce qui était plus simple, c'est que donne-moi ton numéro. Je n'ai pas pris. Il a dit, non, ne t'inquiète pas, je connais le coin. Je connais bien, je viendrai. On était samedi à dimanche. Je rentre chez moi. D'ailleurs, j'ai bien envie de tirer le temps jusqu'à lundi. Parce qu'il va venir chez moi. Je suis avec le gars qui est à côté. Je n'arrive pas à savoir si je dois lui raconter l'histoire ou pas. Parce que peut-être lui va demander sa part. Donc, je me tais. C'est ça. Est-ce que quelqu'un... Je ne suis pas sûr de raconter mon témoignage à mon bodyguard. On est tous dans la galère. Donc, je lui raconte. Je suis là. Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Mais vous savez, les pauvres sont tellement cachotiers. J'étais là, je réfléchis. Je ne lui ai pas dit. Non. Je ne lui ai pas dit. C'est après que je lui ai dit. Parce que dans ma tête, je dis, si je lui dis, peut-être il va passer par derrière, aller voir le gars pour prendre le blé. Donc, vous savez, je suis là dans les... Vous commencez à penser aux choses terribles. La nuit de samedi à dimanche. Je vous dis devant Dieu que je sais, je n'ai pas dormi. J'ai commencé à prier. Et quel genre de prière? Dans ma tête, je dis, il va aller à l'église. Il m'a entendu prêcher. Mais dans son église, peut-être quelqu'un va prêcher mieux que moi. Et il va lui donner les 15 millions. Donc je dis, Père, oh je t'en supplie, qu'il tombe malade, qu'il ait la diarrhée, qu'il n'aille pas à l'église. Et je mets le palais en langue dessus. Convaincu que Dieu va le frapper. Il faut qu'il tombe malade jusqu'à lundi. Dieu m'a laissé prier et il m'a regardé. À un certain moment, Dieu m'a dit, fils, va te coucher. Va te coucher maintenant. Et il m'a dit, ce qui est à toi, est à toi. C'est à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Je déclare cela sur ta vie. Ce qui est à toi, est à toi. Personne ne volera ce qui est à toi. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'après le salut, la richesse qui t'est réservée est un coffre avec ton nom. Et que même quand tu as le code d'accès, tu n'ouvres que tes propres trésors. Et que chacun d'entre nous a ses richesses. C'est-à-dire que Dieu te rende riche. Et il te rend de riche. Et il te rend de riche. Et il te rend de riche. Ça ne change pas le fait que lui, elle et lui, ils ont leur part. Parce que les codes sont nominatifs. On a des noms sur les codes. Quand Dieu dit qu'il t'a réservé les richesses, c'est à toi. Donc si tu ne touches pas, personne ne touche, ça t'est réservé. Quand on n'a pas compris ça, on pense que si l'huile est tombée, moi j'aurais assez. C'est pas vrai. Tu n'as que ce que le ciel t'a réservé. Et c'est pourquoi, les gens m'ont dit, mais pourquoi tes secrets tu donnes aux gens? Mais j'ai aucun problème. Je donne les secrets pour que toi tu prennes ta part. Tu ne vas pas toucher ma part. Depuis que je raconte ces histoires et que les gens deviennent riches, je ne suis pas devenu pauvre. Et si lui, il est riche, elle est riche, il est riche, elle est riche, il est riche, venez, on se tient là et on cause. Venez. On se tient en cause. Les riches causent entre eux. On cause. Alléluia. Alléluia. Les riches causent entre eux. D'accord? Maintenant, on dit à quelqu'un, va là-bas, tu tues le riche que tu vois. Quand il vient, il tue qui? Ils sont plusieurs. Mais comment il va tuer qui? On a tous son riche. Comment il va faire? Les autres,
Et quand on parle, on se comprend. Tu sais, l'année prochaine, on va... Il te comprend. Pourquoi? Parce qu'il a, il connaît ce que je vis. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc voici le problème de Dieu. Lui, il est riche et il est là. Il est mal à l'aise parce qu'il est entouré de pauvres et il ne peut pas causer. Donc il veut les gens qui sont comme lui pour les amener là. Vous dites, venez, vous êtes riche, venez autour de moi. Venez à mon conseil, parlons. Donc maintenant, quand je parle, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Lui, il dit, je vais te faire un chèque. Voilà. Amen. Tu vois, lui, il sait, parce qu'il sait ce que c'est que la richesse. Mais un pauvre ne peut pas comprendre ce langage. Le royaume de ceux de manger, consiste pour manger au bois. Père, donc tu veux que je passe tout mon temps sans manger et boire? Ben, comment tu peux? Il ne comprend pas. Donc quand il en atteint une certaine dimension, quand Dieu parle, on comprend. Parce que quand il a écrit la Bible, il n'a pas écrit aux pauvres. Il a écrit, écoute-moi bien, il a écrit en tant que riche. Donc le langage qu'il émet dans la parole n'est pas un langage de pauvre, parce qu'il parle de lui-même. C'est une lettre d'un riche au riche. Il écrit le langage des riches. Donc quand il dit, il est plus difficile pour un riche d'aller au royaume de Dieu que pour un chameau de passer autour d'une aiguille. Le riche comprend ce que ça veut dire. Le riche comprend que Dieu est en train de lui dire, attention, la richesse n'est pas assez suffisante pour te permettre d'avoir accès au ciel. Ne mets pas ta confiance en elle. Le riche sait qu'on peut avoir l'argent et puis avoir des problèmes de ménage. Le riche sait qu'on peut avoir l'argent et puis on a un cancer. Le riche sait qu'on peut avoir l'argent et on tombe malade. Le riche sait qu'on peut avoir l'argent et puis pas de paix de cœur. Mais le pauvre, il ne sait pas. Il pense que quand on a l'argent, on a tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais le riche sait qu'à partir de ce moment, quand le riche reçoit la parole, il comprend Dieu. Parce qu'il est en position de richesse. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, cette nuit même, ici à cet instant, me tenant devant le trône de la grâce, je déclare sur ta vie que la pauvreté n'a plus de part légitime dans ta vie au nom suprême de Jésus. Elle est brisée, elle est détruite, elle est renversée au nom suprême de Jésus. Et tu accèdes à ce que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit amen trois fois. Alléluia. Amen. Donc pour raccourcir le témoignage, le monsieur a donné son argent. Il est venu apporter sa semence. C'était la première victoire, mais c'était la première étape. Donc à partir de ce moment, Dieu m'avait montré quelque chose d'impressionnant. Je peux être dans la même ville, je peux être dans le même pays, prêcher le même évangile, mais avoir des résultats différents. Qu'est-ce qui change? Ce n'est pas l'onction. C'est ce qui a précédé le territoire de ma destinée. Ce sont mes semences. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont mes séances. Et c'est ça que les gens sont étonnés. Mais comment? Oh, mais ce, Dieu bénit cet homme. Dieu, non. Attention. Chaque fois que vous voyez quelqu'un que Dieu élève, approchez la personne pour comprendre quels sont les prix qu'il paye. Quelles sont les sémences qu'il place devant le trône de Dieu pour jouir en retour de ce qu'il a. C'est ça la clé. Le code de l'accès, c'est d'abord comment est-ce que, quand je travaille pour les intérêts de Dieu. Et ensuite, je suis fidèle aux instructions de Dieu. C'est très important. Maintenant, suivez-moi attentivement, ça va être très fort ce que je vais vous dire. Vous voyez, vous ressentez qu'on est à une phase prophétique là maintenant? Vous le sentez que le ciel est ouvert ici? Et tous ceux qui m'écoutent, suivez-moi attentivement. Tenez pas compte du temps. Il y a des jours où on peut parler, vous voulez me donner la permission, on parle jusqu'au matin. Je sens la grâce de Dieu dans cet endroit. Si tu sors d'ici, il faut que tu sortes à la richesse. Tu ne peux pas te permettre de sortir comme ça. Vous voyez, c'est important. Vous savez, l'instruction prophétique de Dieu n'est pas simplement donnée pour dire donne de l'argent. Aujourd'hui, les gens pensent que l'instruction prophétique donne seulement 2 millions. Non. Dieu peut donner une instruction prophétique en te disant ce qu'il faut faire. Quand il a rencontré la femme dont le mari craignait Dieu, et on allait amener les fils en esclavage, le mari craignait Dieu. On peut craindre Dieu, on meurt pauvre. La sanctification n'a jamais été la cause de la richesse. Jamais. Jamais. La sanctification n'ouvre pas les trésors de Dieu en termes de richesse. Elle va favoriser les résultats de ta sémence. Mais tant qu'il n'y a pas de sémence, la sanctification ne porte rien de nouveau. Il faut, parce que quand je suis dans la sanctification et que je donne, mes résultats sont meilleurs. Mais si je ne donne pas et que je suis sanctifié, je n'ai rien.
D'accord? Ça veut dire, il dit que la terre sera maudite à cause de toi. Elle produira des épines de ronces. Ça veut dire que tu as péché, mais tu sèmes, le résultat est fragilisé à cause de ton manque de sanctification. Mais quand tu te sanctifies, le résultat est meilleur. Si Adam, qui n'avait pas péché, ne s'aimait pas, il mourait. Il n'allait rien avoir de Dieu. Ce n'est pas le péché qui a été à la base de la sémence. Non, c'est un principe établi. Code d'accès. D'accord? Par le travail aussi. Parce que la sémence cache la loi du travail. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il y a des moments où ton travail est une sémence. Oui, il y a des moments où ton travail est une sémence qui parle en ta faveur et qui te donne le fruit indispensable pour poser une sémence devant Dieu. Le travail. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors la femme, son mari craignait Dieu. Le prophète arrive et dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit quoi? Je n'ai qu'un peu d'huile. Par exemple, il dit, il me reste 500 000. Si c'était les prophètes de nos jours, pose-le devant le trône de Dieu. Apporte-le à la maison les trésors. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. À partir de quoi? S'il vous reste un dernier million et qu'on vous le prend, vous devenez riche comment? Non, je vous pose une question. Il te reste 1 million. Et puis le prophète dit, ok, Dieu m'a dit, donne les 1 million, tu vas te bénir. Comment est-ce que tu vas être béni? Comment est-ce que ça va arriver? Parce qu'il peut avoir une instruction où Dieu te dit, donne-moi le million. Ça, il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Mais je peux te dire, prends le million, achète des arachides, vends-les. C'est aussi une instruction. Il a dit à la veuve, va demander des pots chez tes voisins. D'accord? Alors, demande au-delà des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Deux rois, deux, trois. Allons-y. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ça, c'est quoi? Création d'entreprise. Elle a employé ses enfants chez elle. Elle a commencé à créer de l'huile chez elle. Et après, elle a pris l'huile et elle est allée vendre. Elle est sortie de la pauvreté. Si elle avait pris cette huile, elle avait donné aux prophètes. Dans cette condition-là, elle ne sortait pas de la pauvreté. Pourquoi? Parce que les institutions prophétiques diffèrent. Dieu peut te demander ta dernière offrande. Mais il faut être sûr qu'il te l'a demandé. Comme il peut te demander d'investir ton dernier capital, il faut l'écouter. C'est la clé. On ne peut pas prendre simplement le cas où Abraham a donné son fils et établi comme une loi universelle. Cette femme n'a pas donné la dernière, il a donné la bouteille d'huile qui restait. Elle a multiplié. Donc il faut écouter Dieu. D'accord? Et vous allez voir des gens, oh oui, oh papa, j'étais là, j'ai donné mon dernier, ma dernière richesse à Dieu. Demandez toujours aux gens, c'était combien? Parce que quand les gens viennent et qu'ils donnent le dernier billet de 2000, ils attendent que Dieu leur donne 2 milliards. Dieu te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Il va multiplier les billets de 2000, pas 2 milliards. La femme qui a donné une pièce n'est jamais devenue riche. La veuve de Sarepta qui a donné la farine et l'huile, qui n'était qu'un peu de farine et un peu d'huile, a eu l'huile et la farine qui coulait chez elle. Mais elle n'est pas devenue riche. Donc si on dit aux gens, si vous donnez, vous devenez riche, ce n'est pas vrai. Il faut encore que la mesure me permette. Que la mesure permette au ciel de relâcher la richesse qui est contenue dans mes coffres. D'accord? On te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc, si je veux avoir accès aux richesses de Dieu, je fais attention à la mesure qui est mienne. Quand j'ai posé sur l'autel, c'est 1 million pour la première fois de ma vie, je suis passé à un autre niveau de revenus financiers. À un autre niveau. C'était terminé les offrandes de 5 000, 10 000 qui étaient. Le jour où on m'a donné 10 000, c'était un miracle. Je suis passé à un autre palier. Mais qu'est-ce qui avait changé? C'était ma sémence. C'était ce que j'ai posé, c'est ce que Dieu a demandé. Ce que j'ai posé devant l'autel, ça a changé tout. Donc si je veux avoir accès au trésor que Dieu me réserve, il faut que je montre à Dieu que je participe à l'avènement de son règne sur terre avec les richesses que j'ai. Le tout n'est pas simplement de donner, mais il faut que ça participe, n'est-ce pas, à l'œuvre de la régénération, du salut des hommes, que je participe à la grande moisson. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne sommes pas riches, c'est parce que nous voulons l'argent pour nous-mêmes et non pas pour servir les intérêts de Dieu.
Regardez comment est-ce que les gens réagissent quand ils ont l'argent. Quand ils n'ont pas, oh Dieu, si tu me bénis, je te dis, Seigneur, tout ce que tu demandes, je te donne. Mais dès qu'ils ont, oh Père, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, quand tu m'as donné les 10 millions, toi-même tu sais que j'avais un projet. J'ai un projet, Seigneur. Seigneur, c'est comme ça que ça priait, j'ai un projet, Seigneur, de 11 millions 5. Donc, il me faut encore 1 million 5. Vous voyez, donc, il dit, Seigneur, tu sais, je ne peux pas enlever les 10 millions, 1 million 6, c'est incomplet. Il me faut 1 million 5. Alors qu'en fait, quand Dieu te donne les 10 millions, il est en train de tester ton habileté à avoir accès à ce que le ciel te réserve. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui arrive? Non simplement ce que tu as eu entre tes mains comme semence, comme il donne la semence au semeur, tu risques le perdre, mais tu risques de te stopper à ce palier et ne plus jamais voir ce que le ciel te réserve. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Une dame qui priait dans cette assemblée, au tout début, pendant qu'on était en train de prier pour la richesse, a eu accès à une bénédiction fantastique. Et je crois qu'elle devait donner, à l'époque, je crois que ça devait être 20 ou 25 millions, quelque chose pareil, je m'en souviens plus bien. Elle est venue me voir dans mon bureau. Elle était très honnête. Elle me dit, pasteur, quoi? 20 millions d'un coup? Pasteur, je ne peux pas. Ça, hey. Elle était sincère. Et je la regardais médusée, épatée de la puissance de maman qui commençait à la contrôler. Parce que chaque fois que vous ne posez pas sur l'autel ce que Dieu vous demande, c'est maman qui vous contrôle. J'ai dit à la dame, mais est-ce que tu pensais avoir une percée pareille? Non, pasteur, mais vraiment, s'il te plaît, accepte. Je vais déposer 700 000. J'ai dit, non, écoute, tu sais, va à l'hôtel de Dieu, à l'église, tu déposes. Dépose ce que tu veux, c'est entre toi et Dieu, c'est pas moi. Pourquoi tu essayes de venir obtenir de moi le fait qu'il faut que j'accepte? J'ai dit, non, va traiter avec Dieu. Elle est partie, elle a déposé, comme elle a dit. Elle est venue une autre fois, elle a dit, parce que j'ai encore déposé 400 000. Donc, elle essayait, elle dit, petit à petit, comme ça, peut-être je vais y arriver. Mais d'un coup, je ne peux pas, c'est trop dur. Donc j'ai regardé, j'ai compris que la sœur était arrivée à la fin de son... où vraiment elle était en train de détruire ce que Dieu était en train de faire. Et un jour donc, il y a eu un marché, je crois que c'était de 1,7 milliard ou quelque chose comme ça, qu'elle a obtenu. On avait déjà tout signé, elle est venue me voir. Elle était toute contente, elle dit, pasteur, Dieu m'a encore béni, va sur un marché. Et puis je lui ai dit, si j'étais à ta place en ce moment précis, j'honorerais ce que je dois à Dieu. Vous savez, quand un homme de Dieu est au moins, il sait ce qu'il dit. Elle dit, oh, pasteur, ne t'inquiète pas, avec ça, je vais payer les dettes là à Dieu. Donc, vous savez, les gens pensent que Dieu est bête. Et moi, une semaine plus tard, on l'appelle pour dire, bon, c'est le marché qu'on t'a donné, puisque c'est un gars agréé, on l'a enlevé. Tu n'as plus le marché, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, pasteur, non, là maintenant, je viens avec mon chèque, je viens. Pasteur, le marché, on l'a arraché. Demande à ton Dieu d'intervenir. J'ai dit, je ne suis pas sûr que mon Dieu peut intervenir. Parce que vous savez, souvent quand vous violez les principes de Dieu et ses lois, ce n'est pas Dieu qui vous punit, mais la loi se retourne contre vous-même. C'est pour ça que Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous juge, ce sont mes paroles. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus forts que Dieu. Et tu peux avoir l'argent et tu es frappé d'une maladie. Parce qu'une fois que tu ne nommes pas Dieu, ce que tu ne sais pas, c'est que tu ouvres la porte à maman et ça peut être ton cancer. Ça peut être un de tes enfants qui meurt par un truc. Ça peut être n'importe quoi qui arrive parce que tu n'as pas obéi au principe de Dieu. D'accord? Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Dis à ton voisin, en tout ce qui me concerne, je fais le choix d'obéir aux instructions de Dieu. Et dis-le encore. Dis encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est très important. Donc vous voyez, donc c'est très important. Oh, mets ta main sur ta tête et dis, je me condamne à obéir aux instructions de Dieu et entrer en possession de ce que le ciel me réserve par sa puissance souveraine au nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez donc, quand j'ai découvert ce principe, pour aller plus vite dans ce que je suis en train de dire, je ne suis pas resté à ce palier. Non. Parce que chaque fois que Dieu vous conduit maintenant et qu'il vous amène au niveau élevé, plus le fruit sera gros, plus le noyau va être épais. D'accord? Donc je vais t'amener à aller progressivement, d'auteur en auteur. Alors ce qui se passe, c'est que les gens sont là, ils attendent tellement qu'on leur dise, oui, donne-ci, Dieu va faire. Non!
Tu dois être résolu dans ton âme d'être un partenaire stratégique de l'avancement du règne de Dieu sur terre. C'est ça la clé. Père, si tu me bénis, je te bénis. J'étais au carrefour de la vie. Un jour, j'étais à pied, je revenais à pied de l'hôtel Ivoire. J'avais pas d'argent à dépenser pour le transport. Il y a des moments où vous marchez à pied, vous faites économiser. C'était à cette époque-là. D'accord. Et je m'arrête au carrefour de la vie, je vois une scène obscène. Une scène obscène d'une jeune fille qu'on a utilisée pour illustrer des choses. Elle était pratiquement nue. Et donc, dans cette position-là, je regarde, et j'ai dit, Dieu, si tu me donnes de l'argent, je ferai des images comme celle-là, mais pas pour parler, pour montrer les scènes obscènes, mais pour propager l'évangile. Et c'était une alliance. Dieu me dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Tu me donnes de l'argent, je vais le faire. Vous savez, souvent, Dieu a juste besoin qu'on soit volontaire. Quels sont ceux parmi vous qui disent ce soir, mon Père, si tu me confies des richesses, je vais orienter ça pour les intérêts de ton royaume. Lève ta main et tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Si c'est vraiment ton cas, tiens-toi debout. Si tu dis vraiment, Dieu, tu me donnes des richesses, j'oriente ça pour ton royaume, tiens-toi debout cette nuit, avec devant le trône de la grâce. Lève ta main maintenant vers le ciel. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, ce jour, je viens devant ton trône faire alliance avec toi. Oui, mon Père, je reconnais de tout mon cœur que l'or, l'argent, les richesses de la terre t'appartiennent et que tu peux, en un clin d'œil, par ton vouloir, ta puissance, me rendre riche en me donnant une idée, un contrat, une entreprise qui va être source de création irrévocable de richesse. Je me positionne, ma main droite levée vers le trône de la grâce. Et je déclare sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, la pauvreté, en ce qui me concerne, est illégale dans ma vie. Je suis riche, 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 car j'ai accepté la richesse comme étant une bénédiction découlant de l'alliance dont je suis héritier. Et j'annonce par la puissance de Dieu qu'ayant découvert les codes majeurs d'accès à la richesse qui sont la semence, le travail, je me positionne maintenant, ayant compris la loi de la mesure, pour déclarer avec ferme assurance sur ma vie qu'à partir de ce jour, mon obéissance à Dieu est complète et totale. Oui, Dieu, bénis-moi, enrichis-moi, comble-moi sur la terre, afin que sur cette terre, je te serve avec mes richesses. Je déclare que maman n'est pas mon Dieu. Je ne le servirai pas. Je ne m'attache pas à l'argent, car je suis déjà attaché à Dieu. Oui, Dieu, tout ce que tu me demandes, je te l'accorde, car je sais que je travaille sur cette terre pour ta gloire, sur la terre, au nom de Jésus. Maintenant, j'appelle sur ma vie la santé divine, la santé divine, la santé divine, la santé divine, car tu as dit que ton désir
c'est que je sois en bonne santé, et que je prospère à tous égards. J'appelle donc sur ma vie la santé, par la vie de Dieu. Je suis en bonne santé, de la chevelure de la tête à la plante des pieds. Je parle sur ma destinée et je déclare que ce que Satan avait volé, mes fruits que les oiseaux avaient picorés, me sont restaurés. Car sur cette terre, je suis du meilleur du ciel, du meilleur du ciel. Au nom de, car à partir d'aujourd'hui, je suis témoin des témoignages rares et spécifiques et uniques qui m'arrivent. Oui, la faveur est sur ma vie. Le diable n'a plus accès à ce qui est à moi. Je suis riche. Je suis béni. Aujourd'hui, je déclare que je ne vais plus parler quand les gens vont être poussés à prophétiser sur ma richesse, à parler de ma richesse et à me taxer comme un riche. Je vais assumer car je suis riche. Au nom de. Maintenant, s'il te plaît, mets tes deux mains sur ta tête. Rababo sanda rababori asata rababori yondorobo sata rababa. Père, tu m'as dit que je t'envoie annoncer le message de foi, permettre à mon peuple d'accéder à son héritage et d'accomplir sa destinée. Père, que cette huile que tu as répandue sur ma vie par pure grâce, que les expériences que tu m'as données de vivre, éternel Père, que ceux qui sont ici l'expérimentent aussi au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie que tu seras témoin d'événements surnaturels rares. Amen. Des témoignages uniques, resplendissants, puissants, au nom suprême de Jésus. Amen. Les portes du ciel qui s'ouvrent sur ta vie. Amen. Et la gloire qui se répand. Amen. Telle est ta portion. Amen. Tel est ton partage. Amen. Tel est ton héritage. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen.